Guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de regarder une de mes vidéos, quasiment je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager la vidéo et aussi à commenter parce que je crois que votre commentaire va aider quelqu'un, un frère qui a aussi besoin de confirmer si c'est réel ce que je suis en train de parler. En fait, aujourd'hui, nous allons parler des 6 idées business qu'on peut commencer en Chypre en tant qu'étudiant. Bien sûr, tu es soit au pays, soit en Afrique ou bien tu es déjà en Chypre et tu te poses assez des questions, quel genre de business que je peux commencer pour survenir à mes besoins par une occupation, je crois que à travers cette vidéo tu seras en mesure de choisir une des idées qui va t'aider à commencer un business ici en Chypre. Une chose que je voulais dire, chaque pays a ses comptes, chaque pays a ses règlements, parce que les petits temps que j'ai déjà passé en Chypre et j'ai essayé d'étudier le milieu, j'ai essayé d'étudier les réalités qu'on trouve en tant qu'étudiant ici en Chypre et quel genre de business qu'on paye démarrer ici en Chypre et subvenir à ses besoins. La première des choses et que vous allez savoir et que je suis en les idées que je vais parler ici, bien sûr il y a les idées qui ne vont pas vraiment demander les moyens, savoir les idées vont demander l'intelligence ou bien la capacité ou bien la volonté, mais il y a d'autres idées qui vont demander l'argent, des moyens pour commencer les business, ces business là. Avant d'aller tout droit dans l'objectif de cette vidéo, je profite pour vous parler de ces programmes d'anglais en ligne qui aident toute personne à apprendre l'anglais au bout d'une période donnée. Si tu veux apprendre l'anglais, s'il y a des difficultés d'apprendre l'anglais ou bien si tu aimes la langue anglaise et tu ne connais pas comment apprendre, je vous parle de ces programmes Nyota Fluent. C'est une compagnie qui aide les gens à apprendre l'anglais au bout d'une période donnée. Et ce que j'aime avec ce programme, la formation d'anglais se passe en ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'enregistrer? Les numéros, l'adresse email de l'agence va s'afficher en bas de l'écran. Il suffit de les écrire et ils vont te donner les modalités que faire pour apprendre l'anglais. To be honest, it's good to speak English. C'est très important d'apprendre l'anglais parce qu'il y aura des opportunités que tu vas rencontrer dans la vie et si tu parles l'anglais, you are good to go. Alright, back to our business. En fait, j'ai parlé des 6 idées qu'un étudiant peut mettre en pratique et gagner de l'argent en Chypre. Durant le temps que moi, personnellement, j'ai passé et je suis en train de passer ici en Chypre, ces idées, je vous rassure et je vous confirme, si tu choisis this one, si tu choisis une des idées, je crois que you can go, tu peux commencer. Tu peux vraiment commencer. Je commence par la coiffure. La coiffure, que ce soit pour homme, que ce soit pour femme, si tu sais faire la coiffure, je te dis, tes amis seront tes propres clients. Tes amis, tes camarades de classe, les membres de ton église et tout ce qui va avec, ils seront des gens qui vont te soutenir. Que tu sois homme, que tu sois femme, et si vraiment tu sais coiffer, tresser les cheveux, j'ai envie tellement à commencer ce genre de business. Et pour celui qui ne sait pas et qui a peut-être le temps d'apprendre, tu peux déjà commencer à apprendre. Quand tu vas venir en Chypre, tu décolles déjà ton business. Vraiment, je vous dis, la coiffure, c'est parmi les business qui marchent très bien en Chypre. Il suffit que la personne soit aussi déterminée. La détermination, si le fait tu es déterminé, vraiment la coiffure, homme ou femme, parfait. Easy to go. Il y a aussi numéro D, il y a mini restaurant. Quand je parle de mini restaurant, c'est un restaurant que tu as créé chez toi et tu fais la livraison. Donc, par exemple, tu es congolais ou congolaise et tu sais préparer, tu commences à préparer les foufous, les foumbois, tout ce qui va avec et tu commences à vendre à tes amis. Vraiment, j'en connais des gens que je peux moi personnellement témoigner. Ils font ce genre de business, mini restaurant à la maison et
ils s'en sortent très bien. Donc, si tu sais préparer, que tu sois homme ou femme, si tu sais préparer, tu t'organises tellement très bien, tu fais des histoires ici en chute et tu commences déjà à faire le mini restaurant, livraison à la maison et tout, et tout, et tout ce qui va avec. Et je te confirme à 100%, ça va marcher. Si tu as la détermination jusqu'au bout, parfois ça peut être très compliqué, mais si tu as la détermination, tu vas tellement à fond, en fond, mini restaurant, tes amis vont te soutenir. Un business commence par tes amis. Tes amis vont te soutenir, les gens de ton église, tes camarades de classe, même tes professeurs, s'ils sont africains, ils aimeraient aussi manger ce que tu prépares. Toi-même, tu parles de ton business. Donc, un mini restaurant fait, un mini restaurant maison. Parfait. Un chiffre, vraiment, si tu fais un mini restaurant, tu es congolais, tu fais des choses là, la nourriture africaine et tout, je t'ai dit, money, tu auras l'argent. Les transferts d'argent, oui. Être un agent des transferts d'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait allusion, par exemple, tu es au Congo et tu es en Chypre et tu as assez de moyens sur toi parce que ça, vraiment, ça demande l'argent, un montant suffisant d'argent. Tu as un montant avec toi, tu peux démarrer les transferts d'argent. Dans le sens que la famille qui est au Congo peut envoyer l'argent à travers ton agence et directement tu livres l'argent à la personne qu'on a envoyé. Il suffit seulement de montrer les détails et tout. Au fait, ça s'est fait déjà, mais ça ne refuse pas que tu puisses les faire. Au fait, nous sommes dans un monde des compétitions. Compétition. Donc quand il est fait, pour simplifier, j'ai parlé des transferts d'argent. Donc pour dire que si vraiment tu as un montant suffisant avec toi et tu commences les transferts d'argent, tu envoies à Chypre, Kinshasa, Chypre, je t'ai dit, tu as seulement des gens qui travaillent avec toi qui sont serrés. Quasiment ça va marcher. Ça peut ne pas être Congo Kinshasa, ça peut même aller dans d'autres pays. Il suffit seulement de développer des stratégies comment tu peux faire les transferts d'argent. Parce que l'argent, c'est quelque chose que chaque jour, on envoie l'argent. Chaque jour, les gens reçoivent de l'argent. Donc, si tu commences avec ces projets, transfert d'argent, je t'ai dit, ça va marcher. Peut-être tu as aussi besoin de conseils des gens qui font ça. On connaît des frères, des sœurs qui font ce genre de business. Il suffit seulement de nous écrire et on peut te mettre en contact avec eux pour t'aider. Même d'autres business que j'ai déjà cités. En tout cas, on connaît des frères et sœurs, des témoignages, des gens qui font ces business. J'espère que dans les jours à venir, on aura quelqu'un qui va lui-même témoigner son parcours à travers son parcours, les business qu'il fait, c'est en chute et comment ça marche. Donc, ça peut toujours aller. Agence de voyage, ouais. Être un agent de voyage, avoir ton agence de voyage. Donc, dans le sens que tu fais quitter les étudiants, parce qu'ici en Chypre, il y a des bourses. Il y a des universités qui offrent des bourses. Il suffit seulement d'être en contact avec des universités et tu crées des connexions, des relations et tout. Et puis, tu commences à faire quitter les gens au pays, jusqu'ici en Chypre. Ça donne de l'argent. Vraiment, ça donne de l'argent. Il suffit d'être sérieux et d'être honnête aussi. Ça donne de l'argent. Donc, essaye de voir des tactiques et tout ce que tu peux faire pour créer ton agence de voyage. Ça peut être voyage, tourisme, tout dépend vraiment parce que ça peut t'aider aussi à gagner de l'argent ici en Chypre. Ce sont des choses qu'on est en train de voir, des réalités qu'on a retrouvées, qu'on a trouvées sur terrain et on est en train de voir nos propres frères africains gagner de l'argent à travers ce que je suis en train de dire. Les taxis ici, c'est ouais, je connais des gens, des frères, des sœurs même qui font les taxis et ça, ils gagnent de l'argent à travers ça. Donc là, il suffit d'acheter un taxi. Tu achètes un taxi et tu commences à faire tu commences à faire les taxis. En tout cas, tout ce que je suis en train de dire, ce sont des témoignages réels, des choses qu'on est en train de voir sur le terrain. Donc, si tu es en Afrique et tu es en train de voir ma vidéo et tu veux venir en Chypre pour commencer un business en tant qu'étudiant, je te rassure et je confirme que ces business que je suis en train de citer, yes, you can make money. Tu peux gagner de l'argent à travers ce que je suis en train de dire. Il y a aussi l'exportation et l'importation. Donc, comme vous le savez, Chypre,
C'est un pays voisin de la Turquie en tout cas. Et vous allez voir et que la Turquie, c'est un pays business, c'est un pays de business. Il y a tout ce qui est habillement et commerce. Et si tu achètes des choses, soit ici à Chypre, soit en Turquie, et tu la mets directement dans ton pays, je crois que ça peut faire l'affaire. En même temps, tu peux même vendre ces produits ici en Chypre. Ici en Chypre, tu importes ça de la Turquie, tu amènes en Chypre et tes amis vont te soutenir. De même que tu peux exporter ça des Turquies, des Chypre et tu amènes ça à ton pays et les gens vont te soutenir. Et aussi, je voulais signaler, par exemple, tu as la famille en Afrique, peut-être au Congo, et tu peux toutefois amener la nourriture africaine, tu amènes ça ici en Chypre. Oui, les gens vont t'acheter, te soutenir, tes amis et tout. Vraiment, c'est un business. Yeah. Surtout la nourriture africaine et tout, yeah, ça marche très bien. Et enfin, je voulais dire les ventes des mèches pour nous les femmes, les mèches, les bijoux, tout ce qui est africain et tout, et qui est tellement rare ici en Chypre. Je vous l'ai dit et je confirme, si tu fais ce genre de business, you will make money. You make money. Ça ne dépend pas des montants et tout, mais en tout cas, you make money out of it. Donc, pour dire que si y a un Chypre, ou bien si tu veux venir en Chypre et tu commences les business que je viens de citer, je rassure et je confirme, ce sont des business qui payent, qui gagnent, qui payent et qui vont t'aider à te subvenir à tes besoins. C'est ça ce que je voulais dire. Et aussi, j'ai dit grandement merci à toute personne qui ne cesse de regarder mes vidéos, me soutenir, m'encourager. Vraiment, j'ai dit merci. Je reçois vos commentaires sur Instagram. Beaucoup de gens m'écrivent sur Instagram, beaucoup plus sur Instagram. Je reçois vos commentaires et tout ce qui va avec. J'ai dit grandement merci. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est possible de gagner de l'argent en Chypre. Il suffit seulement de travailler, de chercher des connexions et avoir des personnes fiables. You can make it. C'est possible. Merci et retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Bye.